Bonjour à tous et toutes, et bienvenue pour la suite de Dragon Quest 8. Alors j'étais dans le village, hein. Je suis allé parler, enfin je suis allé là-dedans, et apparemment quelqu'un s'est enfui et je dois aller la récupérer. Enfin voir où elle est allée, et lui, quoi? Oh, il est fini. En quelque sorte, sans garde du corps. Enfin, bon, je vous dis pas tout, sinon ça enlève l'histoire. Hein, mais, enfin, ça n'a rien à voir avec l'histoire en vrai, mais bon. Donc, on va y aller. On peut monter là-haut. Une question. Je sais pas. Voilà. Donc, bah, pour l'instant, on continue, on avance. Hein. N'hésitez pas à vous abonner hein, sur la chaîne. Et donc je crois qu'elle est partie par là-bas. Donc je me suis acheté un boomerang. Je n'ai toujours pas. En vrai, ça attaque un peu tout le monde. Bon, pas puissant, mais bon. C'est toujours ça. Faut pas se plaindre, hein. Alors. Voilà, deux à la fois, c'était pas par contre. Enfin, du moins du puissance, mais bon. Ça se fera un après l'autre. Cool. Ok, bon, on avance tranquillement. Ah, il y a un truc qui bouge, hein. Non, c'est quoi ça? On dirait un ours. Ah non, c'est un monstre. Vous voyez, de temps en temps, il y a des monstres qui apparaissent. Enfin, des vrais. Oh putain, ouais quand même. Quand même, quand même. Pourquoi il m'attaque plus en premier? Putain, fait chier. Bon, moi je suis mort. Bon bah faut pas que je m'attaque à lui. Ou alors prendre l'épée au pire. Oui bah je me suis fait battre. Hein. Moi je vois un taureau, je fonce dessus. Hein. Que veux-tu? Oui je sais. Oh, tu fais chier. C'est dans tous les jeux pareil en fait. Dès que tu perds de l'argent. Hein. On sait, on sait. On recommence. Bon, on ouvre la porte, merci. Au pire, je prendrai mon épée avant le combat, s'il est encore là, évidemment. Moi, j'attends qu'il fasse jour. Bon, sauf ça revient au même, tu vas me dire. Sachant. Ah, bah tiens, il fait jour. On verra s'il y a encore. Eh bien, c'est reparti, mon kiki, comme on dit. Hein. Moi, je sens que j'ai justement le chaudron là pour modifier les armes. Pour l'instant, j'ai pas les trucs terribles. Donc, voilà, voilà. Ah, cette fois-ci, avec ces deux-là.
Merci, le taureau, je m'entraîne mon épée avant. Est-ce qu'il est encore là? Il est encore là, donc on va se faire au moins une fois, et puis si je perds, bah tant pis, on avancera. Mais je vois ce que ça donne quand même. Il faut bien, il faut bien. Mais je vais pas utiliser, je vais équiper. Ça fait moins fort, mais bon, j'ai un pourcentage d'attaque plus. Peut-être que j'attaque pas derrière. Vous avez vu le nom du feu de la mobile? Trop marrant. Donc j'ai pas de sort. Nous sommes d'accord. Attention, parce que de toute façon il va me tuer en trois coups, donc autant être concentré, hein. Putain, je peux t'en attaquer. Bon, moi j'aurais essayé, désolé, hein. Donc on va pas le tuer. Je suis pas assez niveau pour ça. Le problème, c'est que je sais même pas combien il a de vie en fait. Si au moins je peux vous voir. Oui, bah je sais, à ce compte-là, j'ai plus d'argent. Hein. Je crois qu'on peut voir combien ils ont de vie les monstres. Une fois tués. Enfin, ouais, on va voir ça. Alors, voyons voir, est-ce qu'on peut voir ça? Monstre vaincu. Ouais, mais j'ai pas vaincu, donc ça va pas. Tous les monstres. Buffalo Bill, il est où? En fait, c'est ceux que j'ai tué, c'est donc logiquement lié pas dedans. Ils sont d'accord. Monstre vaincu. Dommage. Dommage, dommage. Bon, on aura fait deux petits fails. J'ai pas 1000 argent, je crois que j'avais 1000, mais non. C'est 1000 au total que j'ai eu depuis le jeu. Ouais. Bon, ben, jamais 203, comme on dit. Hein. Enfin, j'espère que ça commence à être chiant, mais bon. Bon, les monstres sont toujours au même endroit, donc logiquement on va se taper eux. Le Buffalo Bill, c'est un peu une sorte de boss, hein. Enfin sous-boss, on va dire. Oh, un mousquetaire. Un mousquetaire. Je sais pas trop ce qu'il a fait, mais bon. Cool.
Avoue, rien que ça aide, hein, on va pas se mentir. Si en plus il le jette à la fin. Mais il est là, on voit, hein. Mais bon, je suis pas assez puissant pour ça. Sur moi, j'avais un bouclier plus puissant, ou je sais pas. Nous verrons. Donc, faut aller où? Vous approchez de la tour d'Alexandra. Défense d'entrée. Ah bah, je suis bête, on la voit, la tour. Oh, ils sont chiants, eux. Du coup de pied dans la gueule, non mais oh. Je sais bien qu'il y en a au moins deux qui veulent se toucher. Les musiques aussi sont bien dans le jeu, hein. Enfin, je sais pas si vous les entendez, mais... Dragon's Quest, ça a toujours été un bon jeu, de toute façon. On va pas se mentir. Ah, la tour. Tour, ça veut dire monstre, j'imagine. Alors. Comment ça marche? Est-ce qu'on peut faire le tour? Bon, je fais le tour au cas où il y a un coffre, hein, évidemment. Vous l'aurez compris. Comme dans tous les jeux. Hein. Non. Moi j'aurais bien mis un coffre là, si j'étais le créateur. Faut donc j'aurais mis des trucs tordus, moi j'avoue. Bon, on rentre. Est-ce que c'est bien là ou moins? On a réussi, Jessica est là-dedans. Ok, on y va. C'est une porte spéciale, tu sais. Il n'y a que les gens d'Alexandria qui savent comment l'ouvrir. Vas-y, essaye, si tu ne me crois pas. Ah non, exact. Elle s'ouvre pas. Il n'y a que les habitants d'Alexandria qui savent comment l'ouvrir. Bah comment l'ouvre? Qu'est-ce qu'il va dire? N'importe quoi. La honte. Elle s'ouvre par le bas. C'est du con ça. Bon moi je ne vais pas plus loin, je te retrouve au village. À toi d'aider Jessica. Ok. Qui aura des monstres à tuer. D'accord. J'imagine bien direct. Oh tiens. Pourquoi toujours le même? Vous êtes chiant. On est deux, hein. On va se battre. Ah oui, il a connu la chance, c'est vrai. Face de crapaud. Marrant comme nom. Ouf. Toi par contre tu me gonfles. Voilà, merci. Merci, merci. Là, est-ce que c'est ouvert? Non. On dirait qu'il est verrouillé de l'intérieur. Ok. Bah, pas grave, on fait le tour. Ah, et là, elle s'ouvre de gauche à droite, évidemment.
Je suis un peu perdu là. Le bouton, c'est pas grave. Je vais tuer la grenouille en premier. C'est bon de coup. Ah, niveau 9, cool. Cinq points, cool. Donc lui c'est la masse. Alors masse. Ok, c'est pourquoi ça? Ah, technique. Ah bah quand même. Sa puissance augmente de 5. Ah voilà, c'est comme moi pour l'épée en fait. Ce qui veut dire... Donc de 49, j'augmente de 5 si je prends... C'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. Ok. On continue le chemin. On se perd là-dedans. Hop. Ah bah déjà direct le coffre. Alors moi on peut pas le rater. Ah bah voilà la carte. Ah, ok, différents étages. Donc là. On va faire tout en coller des coffres. Ou il est chiant lui. Ouf. Comment est-ce que t'as fait ça? C'est que ça empoisonne. Cool, il est mort. C'est chiant lui. Voilà, ça doit être bon. Ouh, ah non. Merci. Merci. Ouais, 46. Ah, moi, je voulais utiliser un pouvoir. C'est quoi? C'est une tombe, ça? Il y a rien d'autre? Non? Bon, ok. Le coffre, je l'ai fait. Ah, ben voilà, on reprend le monstre. Oh, ils sont gentils eux. En deux fois. On se fait farci en deux fois tranquille. Et voilà. Tranquille, tranquille. Donc, où est la fille? Qu'est-ce que ça fait si je passe là? Bon, désolé, mais je casse tout, hein. Si on peut trouver du pognon, on va se plaindre.
En plus, il y a un coffre. Une graine, cool. Il n'y a pas de porte là. Non, il m'en remonte. Donc là, hop. Ok, on a déverrouillé la porte. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Faut rien oublier, c'est ça qui est chiant. Oh, on s'en fout. En deux coups, ça va, il meurt donc. On va pas se plaindre. Bon, évidemment, c'est un peu fermé, ça, j'ai pas rien. Hein. C'est genre de jeu, hein, c'est qu'on est Final Fantasy. Hein. C'est 50%, bah ça, hein, heureusement. Y a rien. Encore heureusement qu'on court. Sinon je vous dis pas, on serait pas encore là. On ne serait pas encore là sinon. Par contre, faut que je pense à descendre. Il y a une porte en bas que j'ai pas faite tout à l'heure. Y a quelqu'un? Je vois quelqu'un, bon. Oula! Alors en fait, s'il y en a plusieurs, à chaque fois le nombre diminue d'attaque. C'est jamais le même nom fixe pour tout le monde, ça qui est chiant par contre. Oh, va t'en foutre! Je sais pas si ça va marcher, hein. Honnêtement. Je suis mal barré là, je pense que je vais perdre. Ok, ils sont tous des flammes. Comme ok, vas-y, tue-moi, enfoiré. Bon, je suis mort. Hein. Où je peux fuir? Ouf. Ce qui sert à rien parce que le mec il est mort, mais bon c'est pas grave. Est-ce que je peux utiliser de la magie même si je suis mort? Non, ok. Moi ce qui est chiant c'est quand t'as tout sur toi. Je peux pas les utiliser si t'es mort, c'est chiant. T'es obligé de les mettre, voilà. Ça, c'est un des défauts du jeu, je dirais. Qu'on peut pas y avoir accès tant, si on est mort ou si c'est dans le sac. J'en ai dans le sac là, mais j'ai pas accès pendant le jeu, pendant le combat. Ça, c'est chiant. Donc, désolé, mais il y avait une porte.
faut quand même que je voie voir ce que c'est. Que j'aille voir. Parce que là, apparemment, c'est la fin. Et oui, on peut passer par là en fait, ça c'est l'avantage. Dommage que je puisse pas donner la vie. J'ai pas encore de truc pour donner la vie. Bien chiant ça. Je suis le plus fort évidemment, le plus résistant. Voilà. C'est chiant quand il est seul. Hop, en plus il esquive. Enfoiré. Et là il dort. Non mais là il dormait pas. Au moins il m'a réveillé. Je te remercie. Bon, quand même. Donc au moins ça endort ça. Je me laisse le reservé. Moi je le sais maintenant. Allez, plus qu'un. Oh, je crois qu'il sent toi. Voilà. Donc là, on l'a défaite normalement. Voilà. Un petit raccourci. Hop. Il y a plein de trucs qui redonnent la vie, augmente. Guérir, non. PM. Ok, bon, on continue. Je suis arrivé par en bas, oui, donc on ouvre ça. Voilà. On ouvre. En fait, il n'y a rien. Ok, super. Tout ça pour rien. C'est cool, hein? Ouf, trop chiant lui. Moi j'ai pas l'attaque multiple, c'est dommage. Une petite lance ou... Ce serait cool, hein. Bon bah demi-tour hein. Demi-tour. Donc on passe par là. Et on reprend bah là où j'ai foiré.
ne tombe pas. Voilà. Donc là, doucement, parce qu'il y a moins de monstres. Enfin, je dis ça, mais c'est logique. Hein. Voilà. Oh, des mini. Ah, plus résistant, cela. Oula, ça va me gonfler. Ça va me gonfler grave. Faut que j'y tourne une fois, sinon j'y arriverai jamais. Voilà. On va voir combien ils font de vie. Oh putain, en plus il esquive. Ça, quand t'es tout seul, c'est trop chiant. Bon, on va se concentrer au moins deux fois, minimum. Faut être sûr de tuer. Allez, trois fois. N'évite pas, s'il te plaît. Merci. Donc ils ont moins de sang, évidemment. Est-ce qu'une fois, ça suffit? Ils ont moins de 34. C'est déjà ça. C'est bon, 44, ça devrait aller. Pur hasard, pas fait exprès. Bon, tu me dis, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, mais bon. On se souvient. Ok. On a différentes portes là. Ok. Marrant ce passage secret. Pourquoi une fontaine? Diablotin, coucou, avec une fourchette. Oula. Ouf, que là. Qu'est-ce qu'il est idiot, quoi, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Bon, je cherche pas, hein. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Mais normalement, Jessica, après, elle nous rejoint, en fait. Tout ça, c'est bien joli, mais une seconde. Ok.
Le problème, c'est le mec avec la vie, là. Voilà. Une bonne chose de faite. Oh, bah, je suis mort. Si je me remets pas d'avis en premier, je suis mort. S'il te plaît, fais que je sois en premier. Bon, bah, je suis mort. Putain, qu'est-ce que. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Bon, bah, je reviens ici, puis. Une coupure, puis je reviens là. À tout de suite.